Bonjour à tous, je vais faire une guidance là, à la demande sur ce qui ne convient pas, sur les erreurs du parcours de moitié d'âme, enfin donc, dans le cadre des parcours de moitié d'âme, sur les erreurs, ce qui ne convient pas, ce qui est amené à être dépassé pour devenir ce magicien. Voilà, cet alchimiste, ce magicien. Je vais utiliser le tarot de Mouchard pour la bonne raison que c'est un tarot, je pense, qui là est parfait, dans le sens où il fait bien le lien entre les mondes invisibles, subtils et ceux de la matière. Donc, c'est un tarot exceptionnel sur ce plan-là. Métaphysique, sur le plan métaphysique, hein, et un excellent outil de développement personnel. Donc voilà, donc c'est parti. Si on peut avoir des indications sur ce qui ne convient pas, en fait, ce qu'il y a, les erreurs, voilà. Les erreurs qu'il fallait travailler dans le cas, dans ce parcours, ce qui ne convenait pas. Bon, j'espère que ça ne va pas être la folie. Ok, donc on a le chariot et la dame, la reine de coupe, pardon. La reine de coupe, pour moi, c'est l'empathie. C'est l'empathie. Alors là, pour moi, tout de suite, c'est l'écoute. L'écoute de l'autre. Donc, avec le chariot et la compréhension de l'autre. Hein. Donc, avec le chariot et l'empathie, quand on parle d'erreur, bon, je vais m'arrêter, et puis petit à petit, déjà, on va parler à chaque fois un petit peu de ça, et peut-être qu'on ne parlera que de ça, et à chaque fois, je ferai plusieurs vidéos, si elles sont trop longues. Là, tout de suite, l'idée que j'ai, c'est l'idée d'une personne qui s'engage dans un chemin ou qui s'engage dans des comment dire, dans des situations, dans des relations où finalement elle n'écoute pas. Il n'y a pas d'écoute. Elle s'enferme, elle a des oreillères, j'ai envie de dire. Elle s'enferme dans peut-être son mental, quelque chose comme ça, dans sa vérité, dans ses croyances, dans des schémas de pensée limitants, dans des schémas de croyances limitants, et elle n'a pas cette ouverture que permet la reine de coupe à l'endroit, qui, c'est-à-dire cette empathie, accueillir pour aussi comprendre l'autre. Et là, comprendre l'autre, c'est aussi comprendre l'univers, comprendre le monde, comprendre la vie aussi. Hein. Et donc se connecter à cette vie. Donc, ce chemin, hein, donc le chariot vers la reine de coupe, nous mène justement à devenir cette reine de coupe, c'est-à-dire à pouvoir accueillir les émotions, accueillir ce qui vient de l'extérieur, les situations, les relations, les personnes, dans la compréhension, dans la justesse, dans écouter pour, j'ai envie de dire, pour mieux saisir, en fait, la juste manière d'être, la juste parole, la juste... Et pour ça, la juste réaction, la juste... Mais pour ça, il faut d'abord accueillir, il faut bien comprendre qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui vient vers nous. Voilà. Et pour accueillir, il faut être dans cette empathie, il faut être dans cette écoute. Hein. Donc, écoute de soi pour pouvoir réagir
réagir de manière adéquate, répondre de manière adéquate, pas réagir, répondre de manière adéquate à ce stimuli, mais aussi écoute, écoute de ce qui arrive vers nous. Que cela soit une parole, que cela soit une situation, que cela soit une expérience, que cela soit ce que vous voulez, une guidance, que cela soit écouter pour justement mieux répondre. Voilà. Et donc, quelles sont les erreurs? Ça, c'est ne pas savoir écouter. Voilà. Une erreur fondamentale, c'est ne pas savoir écouter. Donc, c'est-à-dire le pire, c'est que ce n'est pas seulement ne pas savoir écouter l'autre, c'est ne pas savoir s'écouter soi-même. Donc, l'erreur fondamentale, c'est par exemple, notre voix intérieure nous dit quelque chose, mais notre action fait carrément l'opposé, fait autre chose. C'est ne pas s'écouter soi-même. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accueilli notre guidance, notre voix intérieure, notre âme qui nous parle. Donc voilà, hein, il s'agit d'emprunter ce chemin avec le chariot, il s'agit bien d'emprunter, puis là on est vraiment dans un chemin structurel de vie. Donc il s'agit d'emprunter le chemin de l'empathie, de l'écoute de soi et de l'autre, de l'extériorité, du monde, de la vie, de Dieu, de l'univers, de la source. Donc l'écoute de soi. Voilà, je vais arrêter la vidéo, je trouve ça pas mal, 7 minutes, et puis passer à une autre erreur. Voilà, on va faire peut-être erreur par erreur. À tout de suite, merci pour votre écoute, puis j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. À tout de suite.